my God. Chanson douce, je veux la chanter pour toi. C'est une structure avec des horaires aménagés, ce qui nous permet de nous entraîner tous les jours 2 heures par jour. Donc quand on se fixe des objectifs ou quand on a des ambitions et qu'on est passionné par le basket, c'est exactement ce qu'il nous faut pour pouvoir y arriver. Mais d'un autre côté, on néglige pas le scolaire, et c'est-à-dire on a les cours normales comme dans notre ancien collège. Mais en plus, on a 2 heures d'études tous les jours pour pouvoir bien faire tous nos devoirs et bien travailler dans de bonnes conditions. Mais en plus, s'il y a des matières où on n'arrive pas super bien, et ben on a du suivi scolaire une fois par semaine pour pouvoir y arriver, nous aider, pour pouvoir travailler scolairement. I see trees of green, red roses too. I see them blue. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark say good night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky,
also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah. Bah alors nous on se réveille à 6h15, bah après bah on se prépare et tout pour aller en cours et ensuite on descend manger notre petit déjeuner normal. Après bah on va en cours hein, comme d'hab et puis voilà, on termine les cours à 14h30 comme tous les cours, enfin comme tous les jours et ensuite c'est entraînement quoi. Ça dépend. Oui. L'après-midi, on va encore 2 heures. Après qu'on ait fini les cours, c'est soit ça dépend des jours, soit on est en études, soit on s'entraîne, et inversement. Et dès qu'on a fini, le soir, on va manger. Et quand on sort le manger, on a 1 heure détente environ dans l'internat, comme ça. Et puis le soir, on se couche vers 21h. Quoi. Le fait de penser qu'on va plus voir nos parents la semaine et tout, ça peut faire bizarre, mais dans le fond, après, comme dit Rodiane, c'est. C'est notre deuxième famille, quoi, le pôle. T'es 24 heures sur 24 avec les mêmes filles et tout. Et puis on s'en lasse pas, quoi. Il y a des liens que, voilà, quoi, que on aimerait bien vivre tous les jours. Et ça fait déjà 1 an et demi comme ça, et pour moi, voilà, quoi, je kiffe à mort. Je pense que c'est pour eux bénéfique. Tout simplement parce que je les écoute avec simplicité. J'ai aucun jugement ni sur leur performance, ni sur leur scolarité. Je les regarde juste comme ils sont. Et je les aide avec toute simplicité, avec le plus grand rapport de confiance possible. Déjà, c'est une bonne chose. Par rapport à ce qu'ils ont en club, c'est quand même quelque chose qu'on leur propose en plus, quoi, hein, parce que là, bon, y a quand même des entraîneurs qui sont au quotidien, qui sont à l'écoute. Il y a le kiné qui intervient, il y a le médecin qui intervient une fois par trimestre, mais qui est à la disponibilité du pôle pour voir les filles lorsqu'il y a un accident qui intervient. Donc je crois que ce qu'on arrive à proposer, c'est quelque chose de cohérent. Par rapport à ce qui se passe au niveau des centres de formation des clubs de ligue féminine, c'est pas moins bien, mais c'est pas mieux non plus. C'est un suivi qui est tout à fait correct et me semble-t-il... En adéquation avec un pôle espoir et donc des jeunes filles qui s'entraînent tous les jours. C'est difficile à gérer parce qu'on n'est plus à l'entraînement avec les autres, on est un petit peu décalé. Donc on va discuter avec ces jeunes blessés de la façon dont ils vivent leurs blessures et de la façon dont ils pourront se réadapter le plus vite possible dès qu'ils auront les questions. Pas deux fois. Mmh. Ça passe tellement vite qu'il faut vraiment profiter parce qu'on ne voit pas les jours passer, les semaines passer. Au début, peut-être que quand on se dit je vais peut-être pas venir au pôle parce que basket, manger et cours, basket, ça va m'énerver, mais enfin, c'est pas du tout ça parce que. Donc, ok, il n'y a que le basket et les cours, mais il y a aussi les amis. Enfin, ça, c'est vivant. Enfin, c'est pas... ouais. Même si on a l'impression que chaque jour se ressemble parce que c'est cours, basket, et bah. Pas du tout en fait. Il y a tellement qui se passe, il y a tellement de choses qui se passent. Bah, faut toujours travailler parce que le temps ça passe vite et que
faut pas se dire qu'on attend et que je me mettrai à travailler plus tard, parce que ça passe vite. Commencer maintenant. On profite pas assez des choses, ça passe trop vite. C'est tellement bien que on peut pas. Enfin, on n'arrive pas à oublier. Come on. So they had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next day you know, so they got low, 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 low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. She turned around and gave that big booty a smash. She hit the floor. Next day you know, so they got low, 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 low. Come out. I ain't never seen nothing that'll make me go this crazy. I'm like spinning my dough. Had $1 million vibe and a body to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xanol. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing, I seen sure they get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bankroll. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them apple bottom jean boots with the fur. For the sexy grown, put throne on the rocks that'll make your moan. One stat, come on. Two stats, come on. Three stats, come on. Now that's $3,000. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I ain't been a rubber band. That's what I told her. Her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her. Like a pornography poster, she showed her. Fait du bien parce que déjà qu'on n'est pas dans le même club et puis qu'il faut dire qu'on a des liens aussi avec des filles du pôle et que ça fait plaisir de voir qu'on est dans la même équipe, qu'on joue ensemble, que... et puis comme on se connaît même en dehors du terrain et sur le terrain grâce aux entraînements, ben quand on est en match, enfin on est un peu dans notre milieu quand on joue ensemble, on se perd pas, on est là ensemble. Et puis vu que les entraînements, enfin c'est on joue ensemble mais en même temps on n'est pas ensemble toutes dans la même équipe.
Donc là, ça nous permet vraiment de jouer vraiment ensemble, tout ensemble. Voilà, d'être un esprit de groupe sur le terrain et en dehors du terrain. Ladies and gentlemen, you already know what it is. Okay, yeah. Oh shit. I'm kinda rugged in this motherfucker. I'm trying to anyways. Got you hard looking motherfuckers. There's far too many of you dying.
don't know.